Bonjour, bonjour. Bon mercredi. Bon lunch, hein, parce qu'il y en a qui sont au travail et puis qui se branchent à midi et quart pour être sûr de pas manquer le lunch gourmand avec Mélanie sur la plateforme d'Isabelle Huot. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Donc, très occupée, je dois vous le dire, hein, avec la belle saison qui s'en vient, le printemps, les produits locaux qui sont en train de sortir, les produits de serre. Ben Mélanie, elle a de l'eau dans le toupette parce qu'elle fait beaucoup de shooting photo. Donc, justement, j'arrête présentement un shooting photo pour être avec vous pendant 15-20 minutes et peut-être vous mettre l'eau à la bouche et vous donner des nouvelles recettes. Et aujourd'hui, de quoi on parle? Mais on va parler déjeuner, on va parler brunch, parce que je trouve que c'est de convenance, hein? Mois de mai qui s'en vient. C'était une de mes fêtes là, qui s'en vient, moi. Le 9, je crois, le 9 mai, ben oui, c'est la fête des mères. Hein? Puis la fête des mères, ben qu'est-ce qu'on mange? Mais dans ma famille, habituellement, c'est des brunchs. En temps là, non-COVID, c'est des brunchs. J'aime ça recevoir ma mère, mes sœurs, habituellement, là, avec des brunchs. Mais même si on est restreint, on va quand même se faire un brunch ici, là, dans ma cuisine. Là. On va se faire un brunch, c'est sûr. Et cette année, ça va être avec une petite twist un peu plus saine, un peu plus légère, mais attention, tout aussi savoureuse. Vous me connaissez? Mes recettes, même si je m'en vais vers un mode de vie, donc moi, je me dis flexitarienne, 2-3 fois par semaine, on mange végé, mon homme, ma fille. On adore ça. On mange même cru. On est très, très ouvert sur découvrir des nouvelles recettes, justement, pour avoir une variété dans ma cuisine incroyable. Donc, aujourd'hui, mes recettes de brunch, vous allez voir, c'est quand même des classiques que je fais sur ma table, mais qui vont avoir un petit look différent ou peut-être même beaucoup moins de calories. Donc, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mais avant même de commencer, je prends le temps de vous saluer parce que là, je vois qu'il y a bien des gens qui sont en train de se connecter. Bonjour Josée, bonjour Thérèse. Francine, ah, moi les Francines, je les aime, hein? Ma mère s'appelle Francine. Marie-Josée, Julie, Nicole. Bonjour, c'est toutes des femmes. J'espère qu'il y a au moins un homme là-dedans, là. Hein? Les hommes aussi ont le droit de bien manger et de faire plaisir à leurs femmes avec des belles recettes un peu plus légères et saines. Il devrait y avoir plus d'hommes, là, qui nous suivent. Là, au moins, s'il y en a un qui se branche, là, un petit coucou ou un petit cœur. Je suis sûre qu'il y en a un à quelque part qui est peut-être gêné parce qu'il veut garder ses recettes-là, mais c'est pas grave. Donc, on va continuer avec mon live. Vous allez voir que Rose va arriver à un moment donné parce qu'elle est en cours présentement et quand son cours va terminer, elle va se joindre à nous pour que je puisse répondre à vos questions pendant que je parle de mes recettes. Parce que bien des gens me posent des questions. J'aime ça les répondre live parce que vous pouvez m'en poser plus également. Mais faites-vous pas... dites-vous que si j'ai pas eu le temps de répondre à vos questions, après je regarde le live et je vous réponds personnellement à chacune. Si vous me posez une question, puis si vous me dites des beaux bonjours, puis vous m'aimez, ben je vous réponds. Hein? Oubliez pas les recettes de Mélanie, on y met de l'amour. Donc, on commence brunch, déjeuner. Moi, tout d'abord, vous devez savoir que quand j'ai commencé dans le monde de l'alimentation, j'ai commencé à travailler dans un restaurant de déjeuner. J'aime ça, les déjeuners. Ma famille adore ça. Puis même que je pourrais vous dire que les marchands, on est pas mal fort dans les déjeuners. Je vous dirais que bien souvent, mes recettes sont meilleures qu'au resto. Mais ça, dites-le pas. Et je vais vous donner tous mes trucs. Donc, on commence. Vous savez, quand on commence un brunch ou un déjeuner, on aime ça commencer avec des fruits ou un granola. Bien, moi, en tout cas, dans ma famille, ma sœur Brigitte, elle, c'est son déjeuner par excellence. Elle vient y mettre des pommes. Mais moi, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, imaginez que c'est la fête des mères. Vous voulez recevoir, vous voulez présenter différemment votre granola aux fruits et yogourt. Pourquoi pas se faire une pizza? Donc, regardez comme c'est joli. J'ai pris tous les mêmes ingrédients que j'utiliserais pour faire mon granola du matin. Mais en plus de ça, j'ai utilisé les meilleurs granolas. J'ai utilisé les muesli d'Isabelle et le granola céréal avec les graines de citrouille. Donc, j'ai mélangé vraiment ces deux bases de céréales-là qui sont sans sucre ajouté à l'intérieur. Donc, beaucoup plus saine, mais extrêmement savoureuse parce que vous avez des beaux morceaux à l'intérieur, des graines de citrouille, des flocons de blé. Vous avez même des raisins secs, c'est vraiment bon, ça a de la texture. Donc, ce que j'ai fait pour mon granola version brunch fête des mères, ben j'ai pris ma base et j'ai mis
un peu de sirop d'érable et j'ai mis également un blanc d'œuf pour venir tenir le tout. J'ai pulsé et j'ai pulsé pour garder quand même des morceaux parce que je veux avoir de la texture dans la croûte de ma pizza. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un moule à charnière, donc un moule 8 ou 9 pouces, celui qui se démoule, là, qu'on prend habituellement pour le gâteau au fromage. J'ai seulement qu'utilisé le cerceau. Je l'ai mis sur une plaque à biscuits avec un papier parchemin. Et là, je suis venue écraser, dans le fond, ma galette de noix et de céréales pour venir faire ma base de pizza. Je l'ai mis un petit 15-20 minutes au congélateur pour qu'elle, celle-ci, durcisse. Je pourrais la mettre au frigidaire également, mais au frigidaire, j'attendrais une heure ou deux pour que celle-ci devienne vraiment dure puis ça vienne bien compacté. Ensuite, je la sors. Je prends mon yogourt grec 0, 2%, 5, 10% de matière grasse, à vous de choisir, que je viens étendre sur le dessus. Si vous aimez les fraises, prenez un yogourt aux fraises. Puis là, ensuite, ben, c'est à vous de choisir les garnitures de votre choix. Aujourd'hui, je suis allée vraiment avec des berries, donc les petits fruits. J'ai même mis tout à l'heure, vous allez voir sur les photos que j'ai prises un peu plus tôt, j'ai mélangé même les fruits congelés pour avoir quelque chose de froid et de très, très dur. Avec des bleuets frais, j'ai mis de l'amande fraîche, j'ai mis des pétales de rose pour venir faire très joli puis donner un petit côté un petit peu plus exotique. Je finis ça avec un filet de miel, de sirop d'érable, à vous de choisir le sucrant de votre choix. Puis regardez, un beau morceau de pizza. Là, je ne le prendrai pas parce que je dois vous dire que ça fait plus d'une heure qu'il est en arrière de moi. Puis là, il n'est pas froid, il n'est pas congelé, donc il pourrait se briser en morceaux. Regardez, là, il va se briser en morceaux. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de le mettre au congélateur pour que la croûte soit vraiment très, très dure quand on va la manger. C'est-tu pas beau, ça? Belle façon différente. Puis là, ben, avec la base, vous pouvez jouer. Vous pourriez mettre de la date. Imaginez, vous changez une croûte de noix comme ça pour une boule énergie. Donc, ça serait la même chose, mais présentée comme une pizza, ça fait un petit peu plus estival. Je trouvais que c'était une belle façon de mettre des granolas et des céréales comme premier service. Ensuite, vous savez, il y a une mode présentement là, sur les Instagram et les réseaux de ce monde. Ça s'appelle les bake oats. Donc, c'est dans le fond, c'est à la place d'avoir un gruau dans un bol, c'est qu'on en fait un carré. Comme si je venais me faire là, un gâteau ou un pain à l'avoine. Donc, je me suis fait un carré et c'est très massif. C'est un déjeuner complet qu'il y a à l'intérieur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé encore les muesli d'Isabelle et les granolas. Je suis venue les mélanger avec des œufs, avec du babeurre. Vous pourriez prendre du kéfir, vous pourriez mélanger les liquides avec un peu de jus de pomme. C'est à vous de choisir parce que j'ai même mis de la compote de pomme à l'intérieur. Il y a des bleuets, il y a des bananes, il y a des noix. Donc, c'est hyper bourratif. Mais là, quand on le fait cuire, ça prend au moins 45 minutes. Donc, vous allez avoir un peu une texture de pain aux bananes. Donc, c'est un gruau, dans le fond, on the go. À la place de le manger dans un bol, et là, vous venez le servir sur le dessus, là, je l'ai mis dans une belle petite assiette. Mais là, sur le dessus, j'ai fait fondre un peu de beurre d'arachide ou du beurre d'amande qu'on met un petit 10 secondes au micro-ondes. Et là, je suis venue juste faire un petit drizzle de beurre d'arachide à sur le dessus. Puis là, imaginez que mais vous devez travailler, vous devez partir, faire quelques commissions, vous n'avez pas eu le temps de déjeuner. Les beurres à l'avoine, c'est tellement bon. Ça a la texture d'un pain aux bananes, mais très, très texturé. Tout le monde trouve que ça a l'air très bon. C'est effrayant. Puis même que Rose, tout à l'heure, est montée entre deux cours. Puis elle a dit, « Maman, je peux-tu en prendre un? » Pas avant mon live. Je veux vraiment tout montrer aux gens pour leur donner l'eau à la bouche. Ça, ça se conserve 3 à 5 jours dans un contenant hermétique. C'est une belle collation. On pourrait mettre une twist de yogourt également sur le dessus. Moi, j'aime beaucoup la crème sûre. Mais là, c'est à vous de contrôler les calories et ce que vous allez mettre sur le dessus. Mais juste ça, là, mon petit carré gruau là, pour apporter un pur délice. On pourrait même mettre une belle salade de fruits sur le dessus. Imaginez pas, c'est ce que j'ai fait, même en parlant de salade de fruits. Pour donner encore plus de goût, vu que j'ai coupé le sucre à l'intérieur, bien, même le reste que j'ai fait pour leur donner un petit côté sucré, j'ai utilisé la confiture 4 fruits d'Isabelle avec les graines de chia. Donc, j'ai mélangé mes bleuets avec la confiture. Et là, au dernier moment, juste avant de venir mettre au four, j'ai mis ces bleuets frais-là dans ma pâte que j'ai mélangée délicatement. Et c'est ce que je suis venue mettre à l'intérieur. C'est ça, mon petit côté sucrant. Puis mon petit croquant, là, c'est les graines de chia de la confiture d'Isabelle. Je vous dis, vous allez adorer ça. Donc, même une belle salade de petits fruits sur le dessus, vous feriez un hit pour un brunch, là, d'accord? Donc, ensuite, si on parle de brunch, il faut qu'il y ait des œufs, hein?
Il y a des gens qui vont être véganes, qui mangeront pas d'œuf. Ça, c'est un choix. Mais moi, l'œuf, c'est l'ingrédient que je ne pourrais pas enlever de mon alimentation. Premièrement, c'est tellement versatile. Mais en plus de ça, c'est tellement bon. Le jaune, quand on le brise, là, puis qui vient couler dans, sur une salade, sur un pain, ça vient donner le côté crémeux. Oh mon Dieu, là, vous reconnaissez la gourmande en moi. Je pourrais pas me passer des œufs. Mais si on veut se faire des versions un peu plus légères et un peu plus saines, donc pour couper, disons, la quantité de l'œuf, mais avoir autant de volume, ce que j'ai fait, c'est que si, vous savez, les bols, hein, les bols, c'est tellement à la mode, les bols de smoothie, les bols de yogourt, les bols de pokéball, vous savez, là, les bols, on en mange à tous les repas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire un pour un brunch extrêmement gourmand? Celui-ci, en plus de ça, il est vegan, parce que tout à l'heure, je vous ai mentionné, hein, les granolas, c'est pour ma sœur Brigitte. Ce déjeuner-là ici, vegan, il est pour ma sœur Julie. Mais il n'est pas vegan, excusez-moi, parce que j'ai mis de l'œuf. Mais si j'avais seulement mis le quinoa, parce que j'ai mélangé du quinoa avec mes œufs brouillés. Donc, c'est pour vous dire que c'est une nouvelle mode également de venir mettre tous nos ingrédients à l'intérieur de nos œufs, puis là, de se faire des œufs brouillés, comme des omelettes, disons, mais tout est à l'intérieur de l'œuf. Ici, je suis restée très, très simple. Donc, si je veux avoir la main, un gros volume, donc j'ai pris deux œufs pour quatre personnes. Donc, excusez-moi, j'ai pris quatre œufs pour deux portions. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je peux vraiment doubler le volume. Oh, Rose! Rose vient d'arriver. Est ici pour répondre à mes questions. Bonjour tout le monde. Non, on match, pour vous saluer, on match, allô, ma chérie. Mm. Puis comme ça, ben, s'il y a des questions que vous posez là, en train que je suis en train de vous présenter les recettes, ben Rose va pouvoir me les passer, me les dire. Mais j'avais mon homme aussi qui est pas loin. Il a pris une journée de congé aujourd'hui pour être avec moi. Comme ça, il m'aime de même, c'est le fun. Donc, je continue mon bol brunch déjeuner. Donc, mes œufs ici, pour leur donner un twist, donc j'ai pris deux œufs et j'ai mis une gousse d'ail, et j'ai mis des verdures, donc des greens, hein, même si je veux faire plaisir à ma sœur Julie. Donc, je ne mettrais pas d'œuf pour ma sœur, mais je prendrais seulement que le quinoa, que je viendrais mettre du kale, des épinards, n'importe quelle verdure avec un peu d'ail, de l'oignon. Je ferais suer ça et je ferais cuire une petite minute juste pour réchauffer mon quinoa qui est déjà chaud. Je viendrais mettre ça avec des belles tomates que j'ai faites cuire au four. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Il y a beaucoup d'enfants qui demandent où on peut trouver les recettes. Ça va être sur le site directement d'Isabelle Huot, oui, nutritionniste. Exactement. Puis sinon, je sais que normalement, tu les postes sur tes réseaux à toi aussi. Oui, exactement. Facebook, Instagram. Donc, quand Isabelle les a mis sur ses réseaux à elle, merci Rose d'avoir pris le petit 15 secondes pour que je ravale parce que je suis en train de m'étouffer. Ah, on fait un duo de l'enfer. Donc, oui, pour répondre à ta question, Rose, les recettes, Isabelle les poste ensuite sur ses plateformes, sur son blog, mais également, moi, je les mets, quand Isabelle les reposte, ben moi, je les mets sur mes plateformes également pour que vous puissiez les voir. Puis, j'aime ça vous mettre l'eau à la bouche également. Donc, je continue mon bol brunch déjeuner. Oui, Rosie? C'est quoi tes plateformes? Mes plateformes, c'est Mélanie Cuisine et Mélanie Marchand sur Facebook. C'est pas un professionnel, c'est vraiment mon personnel. Donc, Mélanie Marchand, rappelez-vous, la belle blonde gourmande, là. C'est moi, d'accord? Le bol déjeuner. Donc, je continue ici. Mes œufs, j'ai pris des œufs brouillés. Je suis venue mettre du quinoa. Ensuite, j'ai rajouté du kale, des épinards, une gousse d'ail, de l'oignon. Je mélange ça et ça me donne des œufs brouillés. Wow! Vraiment savoureux. Puis la texture du quinoa dans l'œuf, c'est un délice. Ça vient changer vraiment le petit croquant, le petit croustillant, une texture de plus. Moi, j'aime ça. Les tomates que j'ai fait cuire au four à 400 pendant 10 minutes. Juste le fait qu'elle pop, donc qu'elle soit un peu mi-cuite. Des épinards, donc ici, c'est le restant de mon kale pour avoir encore plus de verdure. Des petites patates déjeuner et de l'avocat pour mettre du crémeux dans tout ça. Regardez comme c'est bon. Végé, le bacon, le jambon, la saucisse me manque pas du tout parce que c'est bourré de saveurs. Puis en plus de ça, moi, j'aime ça finir avec, tu sais, des feuilles de basilic frais, des herbes fraîches pour donner de la fraîcheur. Wow! Vous allez plaire à tout le monde. Et avec les bols comme ça, quand on se fait un déjeuner ou un brunch, c'est que tout le monde le fait à sa propre saveur. Rose ne mettrait pas de tomates, hein? Mais elle viendrait certainement remplacer par une poêlée de champignons. Elle adore les champignons. Donc, de venir se faire des bols personnalisés, mais toujours avoir la même base de protéines, disons. Les bols, c'est une tendance. Puis c'est vraiment bon, là, hein? Ils le disent dans les commerciaux. Hein? Les œufs, là, c'est bon au déjeuner, au dîner et au souper. Donc, même ce bol-là, comme souper, on pourrait mettre une petite vinaigrette sur le dessus, là. Une petite vinaigrette, imaginez César, là. Juste quelques gouttes pour venir y donner encore plus de crémeux. Ça vous met l'eau à la bouche. Facile à faire. On peut le faire avec des restants également.
Mon petit brunch, mon petit bol de brunch, c'était vraiment un must à vous montrer. Et je finis avec ma quatrième recette parce que là, là, quand on m'a demandé de faire... Oui, Rose? On a la meilleure ici qui demande, Madame Eve Marchand. Oui? Est-ce qu'on pourrait prendre du couscous à la place du quinoa? Quelle bonne idée, Madame Eve Marchand. On est peut-être parents, vous avez le même nom que moi. Vous devez être belle et blonde et aux yeux bleus. Mais oui, ma sœur, tu peux remplacer le quinoa par du couscous, par du riz. Ça viendrait donner de la texture à ton œuf. Puis, bien, comme ça, imagine, ça vient donner beaucoup plus de volume. Donc, à place de manger deux ou trois œufs, là, tu pourrais peut-être en manger un, vu que tu es venue y mettre une céréale. Donc, oui, très bonne question, Madame Marchand. Donc, pour continuer, si on finit avec la dernière recette, si on me parle de brunch à moi, là, on s'en va dans un restaurant, on veut me faire plaisir, c'est sûr que je me commande... Un œuf bénédict. Non. Non. Deux œufs bénédicts. Deux œufs bénédicts. Mais les œufs bénédicts, on n'en mange pas souvent. Pourquoi? Parce que sur le dessus de notre œuf bénédict, c'est une sauce hollandaise qui est faite avec du beurre, des jaunes d'œufs. On s'entend que ça, c'est pas très, très santé. C'est pour ça qu'on n'en mange pas toutes les semaines, mais on peut se mettre un petit peu moins de sauce hollandaise sur le dessus. Ou on peut découvrir ma nouvelle recette de sauce hollandaise. Anti-guilt. On ne se sent pas coupable quand on mange celle-là. Pourquoi? Parce qu'à la base, à place de prendre du beurre, j'ai remplacé par du yogourt. Du yogourt avec 2 % de matière grasse. Vous voulez voir mon œuf bénédict léger? Premièrement, regardez, je ne l'ai même pas fini pour vous le finir live. Donc, j'ai déjà pris un peu d'avance. Puis là, si vous regardez la base de mon œuf bénédict, là, vous êtes en train de dire, mon Dieu, ils sont donc bien jaunes, ces petits pains, ces muffins anglais. Ha! Ce ne sont pas des muffins anglais. Je vais vous faire découvrir un nouveau produit aujourd'hui. Ça s'appelle des Hablots. Vous savez, je vous ai parlé de la fête des mères tout à l'heure, puis moi, j'aime ça vous faire découvrir des nouveaux produits. Les Hablots sont des petits pains africains, donc qui viennent de l'Afrique du Sud, du Bénin plus précisément, ou même du Togo. Et c'est mon amie Evelyne, qu'elle a une compagnie, donc Evelyne, c'est Evivi, c'est une compagnie africaine. Cette femme-là, c'est un cœur sur deux pattes. C'est ma sœur dans une ancienne vie et elle fait des produits qui goûtent l'amour, mais en tout cas, elle y met tout son cœur à l'intérieur de ses produits. Vous pouvez commencer à les retrouver un peu plus dans les boutiques spécialisées, un jour en épicerie, on espère. Mais vous pouvez commander également sur sa plateforme ses produits et les Hablots, je veux vous les faire connaître. Donc, ce sont des petits pains vapeur qui sont faits à base de riz ou de... Attendez, là, j'ai un blanc de mémoire. C'est du riz ou du maïs. Donc, vous avez le riz qui est beaucoup plus blanc et celui de maïs qui est beaucoup plus jaune. Donc, c'est fait d'une pâte fermentée et ce sont des petits pains qui sont vapeur. C'est légèrement sucré et c'est hyper moelleux, mais c'est vraiment à découvrir. Donc, les gens qui ont de la difficulté avec le gluten, bien, celui avec le riz, il n'y en a pas à l'intérieur. Donc, c'est une belle alternative. On peut les manger comme ça, donc dans des sauces. Hein, ça vient ramasser les sauces, ça l'accompagne. Toutes les grillades, nous, dans notre famille, on adore les Hablots. Oui, Rose? Ça fait penser un petit peu à un pain naan, mais avec moins de goût. Oui, un pain naan, exactement, parce que la texture, c'est un peu plus humide, exactement. C'est un pur délice. Quand vous commencez à manger des Hablots, vous en devenez addict. Vous en voulez tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est une texture et c'est un goût différent. Ça l'ouvre vos horizons en tant que nouveaux ingrédients et ça vous apporte des nouvelles saveurs. Donc, ici, pour mon œuf bénédict, c'est ce que j'ai fait. Oui, Rose? Excuse-moi, quelqu'un demande, c'est combien de calories par pain? Oh! Là, attendez, vous m'en demandez une bonne. Le petit Hablot est à l'arrière. Un Hablot, 55... 90 calories pour un Hablot. Donc, ça doit être similaire en tant que calories à un muffin anglais, mais c'est vraiment complètement différent. Là. C'est de l'eau, c'est de la farine de riz, de la farine de maïs. Donc, c'est vraiment, vraiment à découvrir. Oui, Rose? Isabelle a dit que ça a l'air très bon, les petits pains. Ça, c'est une très belle découverte. Ensuite, on demande, ça s'écrit comment et où on peut les commander? Il y a deux personnes qui veulent essayer d'en trouver. Parfait. Donc, c'est A-B-L-O. Et vous allez les commander sur le Facebook de Evivi Délicieux. Donc, tout écrit en un mot. Et vous placez la commande. Il y a des livraisons. Il y a des places, des points de livraison que vous pouvez les ramasser. Il y a quelques places. Donc, vous avez seulement qu'à aller sur le Facebook de Evivi Délicieux. Et vous allez voir, là, ils vont vous répondre. Vous pouvez leur écrire personnellement. C'est vraiment des produits à découvrir. Et je voulais vous partager ça pour la fête des mères. Oui, Rose? Avec mon commentaire de mon téléphone, j'ai écrit le Facebook Evivi Délicieux pour que le monde puisse le trouver.
trouver, puis là, je vais écrire Ablo pour qu'elle m'en comprenne. Ablo. Ablo. Pas A-B-L-O. Oui, Ablo. Donc, vous voyez? Vous voyez pourquoi je voulais qu'elle monte pendant sa pause de mon cours? J'ai de l'air full techno, full tendance, mais non, dans le fond, c'est à cause de ma fille. Donc là, regardez ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait griller légèrement mes petits ablots. Donc j'en ai pris un de maïs et j'ai pris le régulier. J'ai mis des épinards et du kale que j'ai fait suer légèrement avec de l'huile. J'ai mis du jambon maigre, première moisson. J'ai mis des œufs pochés. Et quand on fait des œufs pochés, là, si vous faites un brunch, je vais vous donner le truc des restaurants. Savez-vous qu'on peut pré-cuire, donc faire les œufs pochés à l'avance. C'est-à-dire que vous allez vous faire de l'eau frémissante dans une poêle et non une grosse marmite très profonde. Donc, une poêle profonde que vous allez mettre de l'eau chaude. Quand votre eau est frémissante, vous allez mettre une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Donc, ce qui va aider justement à former l'œuf sur lui-même. Et on vient mettre le vinaigre vraiment quand on est prêt à pocher. Parce que si on met notre vinaigre au début, comme les pâtes, là, si on met le sel au début, puis on porte à ébullition, bien, évaporation et le vinaigre va s'évaporer. Donc, si vous laissez chauffer votre eau pendant une demi-heure, 45 minutes, bien là, vous avez évaporé votre vinaigre. Donc, l'œuf risque de moins se tenir sur lui-même. D'accord? Donc, mettre le vinaigre vraiment quand vous êtes prêt. On fait un léger tourbillon. On vient déposer les œufs que j'ai cassé préalablement, que j'ai mis dans un petit contenant, parce que si je viens casser mon œuf directement dans mon eau, le choc de venir casser et de mettre dans l'eau, très souvent, vous allez briser le jaune. Donc, vous allez venir le... Moi, ce que je fais, je prends un petit verre, là. Je viens casser mes œufs à l'intérieur et c'est ce petit verre-là que je vais venir verser là, mon œuf dans le tourbillon, d'accord? Donc, je calcule ensuite 3 minutes de cuisson. Et ensuite, je récupère mon œuf et je le conserve dans de l'eau froide. Ça se conserve au moins 3, 4, 5 jours, que je vous dirais, parce que moi, j'ai déjà passé 5 jours et l'œuf était encore très bon. Je le conserve dans de l'eau froide. Puis quand j'ai besoin de l'utiliser, je me fais réchauffer de l'eau et je vais venir tout simplement le mettre dans une passoire. Je vais venir le réchauffer 30 secondes juste pour qu'il redevienne chaud, mais pas pour cuire mon jaune. Et là, ensuite, je vais pouvoir venir le prendre. J'ai mis mes épinards. Je viens le prendre, je le dépose. Attendez, là, je vous le fais live, votre œuf bénédict, d'accord? Et là, je vais terminer avec ma sauce hollandaise qui est faite avec du yogourt et des jaunes d'œufs. Donc là, donc à place d'avoir une tasse de beurre, j'ai pris une demi-tasse de yogourt grec. J'ai mis, oui, mes deux jaunes d'œufs et j'ai mis sur un bain-marie. Donc, un chaudron que je mets un peu d'eau. Le chaudron, le cul de poule ou le bol que vous allez prendre ne doit pas toucher à l'eau. Et c'est sur, disons, 4-5, là, vraiment un feu moyen. Et je vais brasser, par contre, là, calculer un bon 10 à 15 minutes pour vraiment que l'œuf vienne émulsionner mon yogourt. D'accord? Et là, pour donner du goût, je rajoute un peu de jus de citron, du sel. Moi, j'ai pas mis de poivre parce que je peux pas venir voir les petits grains noirs. Et pour donner un petit kick, mettez un trait, là, une demi-cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Et regardez-moi la belle sauce hollandaise ici. Là, ça doit faire, comme je vous dis, pas loin d'une heure qu'elle attend température pièce. Mais regardez, elle se conserve super bien au frigo. Quand vous allez la reprendre, juste la mélanger et peut-être la mettre 10 secondes au micro-ondes, pas plus, parce qu'on veut pas venir faire chauffer notre œuf, d'accord? Parce que si on fait chauffer l'œuf, ça va faire comme des grumeaux, comme si on faisait un œuf à la coque, d'accord? Donc là, attendez, je suis en train de vous faire... Ça a l'air tellement gourmand, là. Jamais vous pourriez dire, c'est sûr que ça n'a pas le goût du beurre. Mais quand vous allez goûter cette petite sauce avec ce petit goût aigrelé-là, n'oubliez pas que le jaune d'œuf est là, lui aussi vient donner un goût. C'est tellement bon. Puis ma mère était pas sûre. Oh oui, t'es-tu sûre, Mélanie, là? Une sauce hollandaise avec du yogourt. Elle vient juste de rentrer en plus. C'est tellement bon. Elle serait vraiment, vraiment impressionnée. Et regardez ça, là. Regardez comme ça a l'air gourmand. J'ai beaucoup moins de calories. C'est une version allégée. C'est sûr que là, je me suis peut-être payé à la traite, là. J'ai mis 3-4 belles cuillères. Mais regardez comme ça a l'air onctueux. Rose, peux-tu aller regarder sur le bord de la fenêtre? J'ai un petit sel et poivre, la petite assiette blanche. Là, je vais venir vous faire vraiment comme si on était au restaurant, là. J'ai mis une petite verdure à l'arrière avec des tomates. Je vais prendre juste un petit peu de poivre sur le dessus avec un peu de fleurs de sel. Regardez. Dites-moi pas que ça n'a pas de l'air bon. Je veux voir des cœurs. Je veux voir de l'amour, moi, là, ici. C'est-tu une recette que vous feriez, ça, à la maison, pour la fête des mères, pour un beau brunch? Regardons, on peut tout préparer à l'avance. Rappelez-vous de mon truc de faire les œufs pochés à l'avance. Je vais prendre... Tant qu'à faire, là. J'ai dit, je veux des cœurs. Je veux pas rien que des cœurs. Je veux des wow, Mel! Ça a l'air tellement gourmand. Attendez. On va venir vous briser. Oh!
Regardez ça, comme ça a l'air bon! Puis des œufs pochés, ben c'est peut-être la façon la plus légère de venir manger les œufs, parce qu'on les cuit dans de l'eau, donc on rajoute pas de corps gras. Regardez ça, là. Digne d'un grand resto, même si c'est des versions allégées, que j'ai des versions qui sont véganes, mais dans ma cuisine, là, on voit pas la différence. Regardez ça, là, avec l'œuf, là. Hein, ça, c'est vraiment un jour de fête quand on mange des œufs coulants comme ça, cuits à la perfection, faits avec amour. Moi, je vous le dis, vous voulez pas plus que ça. Oui, ma Rose. C'est fini? Ah, OK, tu dois retourner à ton cours. Ben, bon timing, Rosie. Parce que tu vois, moi, je viens juste de finir ma 4e recette. J'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche. Bye, ma Rose. Bon cours, à tantôt. Je t'aime. J'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche, que ça vous fait voir de cuisiner des recettes de déjeuner ou de brunch différemment, avec un œil un peu plus sain. Mais si vous êtes comme moi et vous adorez les déjeuners, je vous recommande d'aller découvrir la nouvelle plateforme d'Isabelle Huot, donc la nouvelle plateforme Chop Chop Menu, chopchopmenu.ca. Donc, c'est une plateforme où vous avez des recettes, des trucs. Oh oui, je vous donne même des trucs sur cette plateforme-là que vous allez utiliser à tous les jours. Donc, portez attention parce qu'il y a un nouveau livret de recettes justement de déjeuner et de brunch qu'on vous offre sur cette plateforme-là. Donc, découvrez cette nouvelle plateforme qui peut vous aider pour la cuisine de tous les jours. Des recettes saines, savoureuses, mais combien délicieuses. Donc, avec mes trucs et toute l'équipe d'Isabelle, c'est vraiment une plateforme à découvrir. Et ce petit livret-là là, de recettes de déjeuner et de brunch, c'est peut-être une belle façon de découvrir. Donc, allez sur chopchopmenu.ca et vous allez découvrir une nouvelle plateforme savoureuse. Je prends quelques secondes pour vous saluer. Ça m'a fait tellement plaisir de passer une demi-heure avec vous pour l'heure du dîner. Ah oui, j'ai pris 25 minutes. Je vais prendre quelques minutes pour vous saluer. Et si vous avez des questions... Oui, je donne des trucs sur Chop Chop à tous les mois. Je ne sais pas comment ils les présentent, mais oui, avec les nouvelles recettes qu'ils présentent. Mais moi, je prends ces recettes-là, puis quand je vois un petit truc qui me vient en tête, comme disons, là, s'il y avait une recette avec les œufs pochés, je vous aurais dit que les œufs pochés, ça se poche à l'avance et on les réchauffe dans une passoire, un 30 secondes. Donc, c'est des petits trucs comme ça, parce que vous savez, moi, là, mon tablier, je l'ai 7 jours par semaine, du matin jusqu'au soir. Puis même que quand je pars de la maison, je pars souvent avec mon tablier. Fait que, donc, quand j'arrive chez des amis, c'est rendu mon trademark. Mel, t'as encore ton tablier. Donc, j'espère que ça vous donne le goût de cuisiner, d'essayer des nouveaux produits, puis d'être ouvert, d'avoir une conscience sur une alimentation savoureuse, mais toujours un petit peu plus saine. Bon mercredi, tout le monde. Bonne fin de semaine. Et on se revoit le mois prochain. Oh, le mois prochain, on est au mois de mai. Qu'est-ce que l'équipe d'Isabelle va me faire cuisiner pour vous? Je ne sais pas. Soyez attentifs. On va vous donner quelques indices. Si vous avez des demandes spéciales, faites-nous-le. Vous savez, on est une grande équipe puis on est très, très proche de nos gens sur nos plateformes. Merci beaucoup. Passez un magnifique mois de mai puis on se voit le mois prochain pour un autre mercredi lunch gourmand avec Mélanie. Bye-bye tout le monde!